Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonjour à vous qui nous suivrez en rediffusion pour cette émission éducative. Il est tout à fait normal que nous puissions aborder aujourd'hui cette pandémie. Nous vivons des moments que le monde n'a jamais connus. Alors, il est intéressant que nous puissions aborder le sujet, vous donner quelques enseignements, quelques conseils. Monsieur Justin Magala, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kibabé. Monsieur Modeste Bonigaba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kibambi. Alors, l'abbé Poundou nous rejoindra dans un petit instant. Il est en tout cas en route vers le studio. Alors, je voudrais, première question, maître Magala, vous posez la question bien simple, c'est de savoir ce que vous savez, parce que on n'a encore pas trouvé tout autour de ce virus. Qu'avez-vous envie de dire dans ce premier tour de table aux téléspectateurs au sujet de cette pandémie? Merci pour la question. Ce qui me vient directement à l'esprit d'abord, c'est de rappeler aux gens que la pandémie existe. Parce que j'ai l'impression que dans nos milieux de vie, beaucoup croient que c'est une histoire montée de toutes pièces. Beaucoup croient que la pandémie n'existe pas. Je voulais d'abord dire, insister là-dessus, que la maladie existe et elle tue. C'est vrai. Mais ce qui est un peu rassurant, c'est de dire que ce n'est pas la pandémie la plus mortelle que le monde ait connue. Certes, elle est là, elle tue, mais il y a eu des pandémies plus graves en termes de mortalité que le monde a connues, et il y en a eu précisément 8. Si vous permettez, je peux rappeler déjà que vers le 6e siècle, on a eu la peste Justinien, qui est du nom de l'empereur byzantin de l'époque. Et cette pandémie avait fait plus de entre 25 et 100 millions de personnes. Alors que maintenant, nous ne sommes qu'autour de 500 000 décès de par le monde. Donc là, on a eu 100 millions de personnes de vie parties. Encore que celle-là n'a pas encore dit son dernier mot. Enfin. On n'a pas dit son dernier mot, effectivement. À part la peste Justinien, il y a eu la peste noire. Là, nous sommes dans les années 1347, 1350, et elle a fait jusqu'à 34 millions de décès, particulièrement vers l'Europe et l'Asie. Au-delà de ça, on a eu la fièvre jaune. J'ai parlé de 8 pandémies. On a eu la fièvre jaune au 17e, 18e et 19e siècle. Et là, nous sommes encore en termes de millions. Mais ce qui fait mal, c'est que ça continue jusqu'au maintenant, la fièvre jaune. Mm-hmm. Nous sommes aujourd'hui autour de 30 à 60 000 décès par année pour la fièvre jaune. Donc, quand vous analysez sur les 4 siècles, c'est énorme. Nous avons eu le choléra comme 4e pandémie mortelle dans les années déjà 1826. Le choléra avait fait son apparition. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons presque 100 000 décès par an dus au choléra. Quand il a été le plus virulent, on était à 1 million de décès par an. Mais là, on est à autour de 100 000 décès chaque année. En cinquième position, il y a la grippe espagnole. La grippe espagnole, elle est dans les années 1916. Et elle a atteint aussi les 100 millions de morts. En sixième position, il y a la grippe asiatique dans les années 1950. Et elle a fait 2 millions de morts. La grippe de Hong Kong, dans les années 1968, elle a fait 1 million de morts. Et enfin, les VIH, les SIDA, qu'on a connu ici vers les années 1980, par là, mais qui était déjà soupçonné dans les années 1920.
et continue à tuer jusqu'à aujourd'hui. Les sida, on compte à peu près aujourd'hui 25 millions de morts. Donc, quand on parle de Covid autour de 500 000 morts, bien qu'elle n'a pas dit, la Covid n'a pas dit son dernier mot, c'est-à-dire que elle reste gérable si on ne compte pas effectivement en termes de retour, parce qu'il y a toujours une deuxième, une troisième vague. Tout à fait. Donc, c'est gérable. Modeste Bonigama, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire ce rappel historique? D'accord? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, parce que... Oui. Maintenant, la question à vous, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous arrive à l'esprit tout de suite? Qu'est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs? D'abord. Je crois que ce que j'ai envie de dire aux téléspectateurs, c'est que cette pandémie a plus... Ce qui est le plus visible, ce sont les conséquences économiques qu'elle engendre, parce que l'économie est à l'arrêt dans beaucoup de secteurs. Et les gens, ceux qui vivent au jour le jour avec leur activité journalière, sont complètement déstabilisés. On ne s'imagine pas les souffrances qu'endurent toutes ces personnes qui, chaque matin, devaient descendre à un endroit bien précis pour faire son petit commerce. Ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, au niveau de tout le pays, c'est certainement des millions, qui sont comme ça, surtout dans les grands centres, complètement perturbés. C'est donc, je crois, en ce qui concerne les conséquences, cette pandémie en a eu plus que toutes les autres qu'on a énumérées, parce que... C'est ce que je voulais vous entendre dire. Parce que, manifestement, le monde était pratiquement à l'arrêt. En Europe, ça reprend timidement, mais on a senti que tout s'était arrêté. C'était la première fois qu'on voyait ça. Le sida a effectivement décimé beaucoup plus de gens, et de façon très violente aussi, mais l'économie, le monde a continué à tourner, à vivre pratiquement avec ça. Mais celle-ci, on a l'impression qu'il est impossible de vivre comme ça, parce que manifestement, on nous sort des chiffres tout à fait effarants, des hommes d'affaires qui perdent jusqu'à 50 milliards de dollars. 50 milliards en si peu de temps. Mais ça veut dire que si ça pouvait continuer pendant un mois, disons un an, ce serait l'arrêt total de l'activité au niveau mondial. Alors, c'est tout à fait de l'inconscience, après tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui à travers les médias, c'est tout à fait inconscient d'imaginer que des gens puissent commencer à dire que cette pandémie n'existe pas. C'est même grave et gravissime. N'est-ce pas, Maître Mangala? Oui, c'est très grave de penser que ça n'existe pas. Parce que les gens ont l'impression que ça concerne les autres ou une partie de la communauté, mais ce qui est tout à fait faux, personne n'est à l'abri. Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous circulez dans les milieux les plus peuplés de la ville, vous vous rendez compte que rien n'est respecté en termes de distanciation, en termes de port de masque, et ils disent... la maladie n'est pas là où elle ne tue pas. Non. C'est parce que les décès les plus médiatisés sont ceux des gens connus. C'est pour ça que tous les décès anonymes, entre guillemets, font que les gens ne prennent pas ça trop au sérieux. Alors que, même dans ces milieux-là, ça tue. La maladie tue. C'est pour ça que nous devons faire attention. Parce que même les taux qui nous sont donnés par les amis du secrétariat technique, dont le travail doit être salué, mais ils ne peuvent donner les taux que par rapport aux tests qui sont faits. Et ces tests-là, c'est dans les grands centres. Mais qu'en est-il dans les milieux reculés? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tests que la maladie n'existe pas. Donc, ce sont des gens qui continuent à mourir et les gens ne savent pas de quoi ils sont morts. Alors, on dira malaria, on dira grippe, on dira d'ailleurs il n'a pas souffert, on dira sorcellerie.
Mais ce sont des gens qui continuent à mourir. Donc plus on aura un niveau de test élevé, plus on se rendra compte qu'il n'y a nécessairement plus de décès. Le problème, donc, c'est au-delà de la maladie, c'est la riposte, comment elle est menée et comment on communique dessus. Donc, le fait de ne pas être au courant ne signifie pas que la maladie n'existe pas. Très bien. Et vous ? Là, je crois effectivement qu'il y a un problème très sérieux en ce qui concerne la riposte. La riposte, évidemment, le volet qu'on vient d'évoquer de la discipline personnelle, il faut continuer à le marteler parce que, effectivement, il faut avoir dans son entourage immédiat un cas ou deux de décès comme ça pour se rendre compte qu'effectivement, tiens, même moi, ça peut m'atteindre. Parce que les gens, tant que ce n'est pas encore arrivé dans son cercle restreint, il a l'impression que c'est quelque chose qui ne concerne que les autres. Mais la riposte aussi, je crois qu'elle n'est pas complètement à l'abri de toute critique. En ce qui concerne notre pays, d'ailleurs, les gens en parlent à longueur de journée. Je crois qu'il y a un effort à faire de ce côté-là pour que les gens qui sont effectivement testés, d'abord, les tests pendant tout un temps, il fallait envoyer à Kinshasa, au lieu de rapidement décentraliser les centres de dépistage, pour que rapidement les résultats soient connus, parce que plus c'est rapidement rendu, mieux c'est. On sait à ce moment-là ça, localiser le foyer et essayer de cerner tous ceux qui ont pu effectivement entrer en contact avec la personne. Et si on continue à avoir des tests qu'on envoie à Kinshasa, où il faut attendre plusieurs jours avant d'avoir la réponse, je crois que ça risque à un moment donné de nous surprendre et de ne plus être maîtrisable. Donc il faut vraiment très rapidement régler cette question de décentralisation des centres de dépistage comme ça se fait ailleurs, parce que je crois que c'est ça qui fait qu'en Afrique du Sud, par exemple, ils ont des résultats plus proches de la réalité, parce qu'ils ont cette organisation qui a permis très rapidement d'atteindre pratiquement toute la population, disons, toujours c'est la technique d'échantillonnage. Mais au moins là, ils ont cette capacité de cerner la réalité au niveau de tout le pays. Et nous, on a encore un effort à faire de ce côté-là, je crois. Effort qui est en train, je crois, d'être fait, parce qu'aujourd'hui, le Nord et le Sud Kivu sont dotés, je crois, de ce matériel de dépistage. Le Katanga aussi, mais c'est localisé sur Lubumbashi. C'est un effort, effectivement, à déployer. Mais pour ceux qui minimisent la présence de cette maladie, certains même disent on ne voit pas les dépouilles, vous vous rendez compte, si vous deviez voir ces dépouilles exposées comme nous le faisions avant justement cette pandémie, on contribuerait à son expansion. Donc dire on n'a pas vu les dépouilles, donc ça n'existe pas, c'est tout à fait irresponsable. Mais il y a un fait quand même, c'est que cette pandémie continue à jouer à cache-cache avec nous. Puisque jusqu'à aujourd'hui, les spécialistes eux-mêmes disent ne pas connaître tous les contours, raison de plus pour que nous puissions faire attention. Puisque le jour où on remarquera, n'est-ce pas, des morts partout à la cité, ça sera l'hécatombe. C'est cela qu'il faut éviter. Ça nous joue des tours parce que nous constatons également que un couple peut être admis à l'hôpital, l'un en sort et l'autre en meurt. Mais l'avenir nous dira peut-être que la personne qui est restée pourrait suivre. On ne sait rien. Lorsque vous ne connaissez pas une maladie qui n'est pas connue, dit-on en français, elle est dangereuse. Parce que l'expression c'est laquelle ? Une maladie connue est à moitié guérie. Mais une maladie qui n'est pas connue est plus dangereuse encore. Maître Magala. C'est vrai ce que vous venez de dire, d'autant plus que les aveux des spécialistes font plus peur
qu'elle nous rassure. Parce que quand vous voyez l'histoire de cette pandémie, au début on nous disait port de masque, important ou pas, on a négligé et les gens sont contaminés. Contact physique, on a discuté pendant des mois là-dessus. Et finalement, on nous dit, non, il faut respecter la distanciation. Aujourd'hui, il y a une nouvelle théorie qui est apparue, que le virus peut se transmettre même par la voie aérienne. Ce qui est exclu jusqu'il y a peu. C'est-à-dire qu'eux-mêmes continuent à trouver et à chercher. Alors, conséquence, rien ne nous rassure. C'est-à-dire que même les gestes barrières d'hier, si aujourd'hui sont quasiment caduques, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On ne sait pas. On parlait d'un mètre de distance. Aujourd'hui, on parle d'un mètre et demi, deux. Mais avec la discussion sur la voie aérienne, on en est à 4 mètres. Bon, finalement, on est appelé à vivre avec la maladie. Mais on doit aussi travailler. On doit aussi vivre. Mais comment ? Imaginez, quand vous circulez à Kinshasa, les marchés tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est ce qui me fait dire que, à un moment, bien que appelé à vivre avec la maladie, il risque d'y avoir une hécatombe. Parce que quand on voit comment fonctionnent nos marchés, et on s'imagine tout ce qui se passe à l'intérieur de l'État où il n'y a pas de disponibilité de tests. C'est-à-dire que même le personnel soignant n'est pas à l'abri parce qu'il ne sait pas ce qu'il soigne. On est en train d'aller vers une catastrophe. Ça, c'est le premier souci. Mais le second souci, comme disait tantôt M. Modeste, c'est sur le plan économique. Aujourd'hui, la RDC a perdu pratiquement 30% de ses recettes. Vous imaginez ce que ça signifie pour une économie déjà fragile. Et ça, c'est sur le plan macro. Mais sur le plan individuel, tous ces gens qui ne sont plus payés, tous ces gens qui ne savent plus trouver leur pain quotidien parce que vivant d'une activité, entre guillemets, de survie, d'une activité du quotidien, ça a comme conséquence la fragilisation de l'état de santé qui est en fait même à la base de la du décès des contagions plus faciles et donc des décès plus immédiats. Donc la difficulté aujourd'hui de faire du sport de masse, or nous savons que le sport fait partie des éléments qui aident à avoir une constitution physique suffisamment résistante pour pouvoir faire face. Tout ça a disparu. Nous avons enfin des gens qui continuent à négliger la façon de procéder aux funérailles. Quand vous allez aujourd'hui, même quand on dit pas plus de 20 personnes dans un endroit de deuil, mais vous y allez, c'est des milliers. Et les gens ne savent pas que ça circule justement dans ces milieux-là. Parce que des fois, vous ne savez même pas de quoi est morte la personne. C'est tout ça qu'il faut avoir à l'état d'esprit, qu'on respecte les mesures barrières, même si ce n'est pas suffisant, mais déjà qu'on respecte ce qu'on a déjà. D'accord. Oui, effectivement, se laisser aller au niveau des individus, mais aussi au niveau de certaines institutions, a des conséquences tout à fait visibles. Vous avez remarqué que dans les milieux universitaires, au niveau de l'université de Kinshasa par exemple, on a connu tout d'un coup, en peu de temps, plusieurs cas de décès dans le milieu académique des professeurs, etc. Parce que ils tenaient à chaque fois à rendre hommage de façon digne à leurs collègues décédés. Mais à ce moment-là, la distanciation sociale était quelque peu oubliée. Eh bien, on a remarqué qu'il y a eu une multiplication de cas de décès, peut-être dû au fait qu'on n'a pas suffisamment tenu compte de cette exigence de rester assez distants les uns des autres. Donc, il faut continuer à s'imposer cette discipline de distanciation. Mais il faut également quand même dire aux gens que peut-être que nos produits ici,
qu'on a suggéré aux gens, on commence à avoir quand même de l'effet. Les tangaoussi. Oui, tous ces breuvages qu'on propose, peut-être qu'ils ont de l'effet, effectivement, parce qu'on ne s'imagine pas comment, dans un milieu comme celui-ci, s'il y avait effectivement cette fragilisation de l'organisme due au fait que on n'est pas bien nourri, on ne vit pas de façon correcte, si c'était automatique, mais il n'y aurait plus personne dans la ville ici. Donc, manifestement, peut-être ces petites recettes des grands-mères-là, consistant à prendre des breuvages au tangaoussi ou, je ne sais pas, gingembre. Des bains de vapeur. Des bains de vapeur ont quand même un effet positif sur la résistance des gens. Parce que je crois que sinon, il y aurait certainement beaucoup plus de morts que... Maître Mangala, vous avez déjà essayé, par exemple, le bain de vapeur, non? Si, moi, je suis du Kivu, c'est... On a grandi déjà avec ça. Pas seulement au Kivu, moi, je suis du Katanga, on a grandi avec ça. Mais les soucis, c'est quoi, justement, avec notre médecine des grands-mères? Il n'y a pas de dosage. C'est ça le grand souci. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à guérir une grippe et 3 ans après souffrir des reins parce qu'on ne sait pas, on ne mesure pas la quantité parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut prendre finalement. On vous dit, bon, il faut prendre 1 litre. Oui, mais 1 litre pendant combien de temps et de quoi? Et puis, les mélanges qu'on fait, ce sont souvent des mélanges catastrophiques. Quand vous observez bien, il y a même une maman qui a perdu ses 2 enfants comme ça à Mongafula. Parce qu'on lui a demandé de faire prendre, je crois, les Congo Bololo. Elle est là, utiliser ça par une autre voie. Et les enfants sont partis. C'est-à-dire que faisons quand même attention dans ces breuvages. Bien que, bon, l'efficacité, disent les médecins, ce n'est pas lié tellement aux soins qu'on apporte, mais plutôt à la... résistance. À la résistance qu'on apporte, cela peut apporter au corps. Bon, tant mieux, mais quelle est la dose qu'il faut prendre? C'est là la grande question. Il ne faut pas guérir. Mais j'espère, un conseil qu'on peut donner quand même, comment on appelle ça encore? Comment j'ai appelé ça? Se couvrir avec puisque le mal a peur de la chaleur. Faire des bains de vapeur, c'est pas mauvais. Moi je l'ai fait. Vous ne l'avez pas encore fait. Hein? Si, bien sûr, bon, tout le monde, je crois. Donc ça, c'est son... Mais parlons peut-être un peu du confinement tel qu'il a été fait. Comment vous analysez la situation? Confinement de la Gombe seulement. Bon, le confinement a eu ses effets positifs et ses effets négatifs. Le premier problème, et ça c'est au niveau des dirigeants, c'est qu'ils ne nous ont pas donné les suites du confinement. Ok, on a confiné. Qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement? Ok, quel est l'état, le niveau de contagion exact au niveau de la Gombe? Ok, quels sont les soins si on a désinfecté le Gombe? Mais à quel niveau ça s'est passé? On a confiné. On n'a pas communiqué et puis bon, on a déconfiné. Les gens se réveillent le matin, on a déconfiné. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Silence radio. On ne sait pas finalement. Bon. À quoi a-t-il servi ce confinement? Ça a servi à quoi? Ça, ce sont des sur le plan de communication, je crois qu'il y a à redire quand même. Surtout que pendant, on nous disait, on va déconfiner bientôt. Mais le bientôt, là, il nous a pris combien de mois? Oui, mais bientôt, pourquoi il n'y a pas de suite? Ça, c'est du côté négatif. Les aspects positifs, c'est que la ville est un peu plus propre. Un peu plus propre, et on comprend que ceux qui salissent de la ville viennent d'ailleurs. La ville est un peu plus propre, avec tout ce que ça comporte comme conséquence. Mais quand on confine et que les gens ne travaillent pas, et qu'on demande certaines mesures d'assouplissement des survies. Je prends l'exemple des bailleurs et de leurs locataires. Quand le gouvernement dit, ok, qu'on
pendant cette période, il n'est pas permis de déguerpir. Ok, c'est d'un côté, mais de l'autre, qu'est-ce qu'on fait pour compenser cette perte? C'est trop facile de dire qu'on ne le fasse pas. Mais les autres vivent de quoi? C'est tout ça les soucis du confinement. Moi, je crois que malgré les gains, il y a des choses à redire. Et pour la suite, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on a déconfiné? Parce qu'on va revenir à la situation d'antan, après le déconfinement. Ne va-t-on pas assister à la même chose que ce qu'on craignait? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Donc, je reste quand même assez réservé sur les suites, sur l'efficacité du confinement. Très bien. Déconfinement, confinement. Il y a même des villes dans lesquelles on a confiné et aujourd'hui, on regrette d'avoir confiné. Non, on a déconfiné et maintenant, on regrette et on se remet à la confinement. Décidément, ce virus nous joue des tours. Confinement. Oui, manifestement, je crois que c'est l'aspect le plus catastrophique de la riposte en ce qui nous concerne notre pays, parce que on n'a pas manifestement établi des critères sur lesquels on évaluerait les performances en ce domaine. Parce que pourquoi n'a-t-on pas fait comme dans certains pays où ça a bien marché, imposer le masque à tout le monde? Et voilà, masque, les distanciations, mais on continue à travailler, à faire des choses, parce que on est au moins en mesure de continuer à produire le minimum qu'il faut. Mais on a pris une mesure de façon musclé pour dire voilà, bon, on ferme la gombée sans vraiment mesurer les conséquences qui en découleraient. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'ils sont gênés de nous dire quels sont finalement les résultats obtenus après ce confinement. On vient d'accueillir notre ami, j'ai peur d'appeler moi catholique, d'appeler un abbé ami. José Boundou, il est l'ami des hommes. Bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir, mon frère. Vous étiez pris ailleurs, vous savez, vous êtes tellement vous êtes tellement intelligent qu'on vous sollicite partout. C'est une façon pour moi de vous féliciter. Le confinement, allez, vous qui étiez loin là-bas en Célé, ça vous a coûté cher. Rien du tout. Parce que ce confinement, c'est une réalité chez nous qui n'est pas vécue de la même manière qu'ailleurs. Ailleurs, en Europe, dans certains pays où nous avons suivi l'actualité, le confinement était un confinement total et concernait tout le monde, n'est-ce pas? Et les gens restaient chez eux. Hein, et il y avait une réglementation pour les sorties à telle enseigne que j'ai appris par exemple en France, pour que tu sortes, il faut que tu aies un papier qui ait établi une autorisation que tu remplis par internet, et tu peux présenter cela à la police qui t'interpelle lorsqu'elle te voit dehors. Ici chez nous, là d'où je viens à la Tchango, il n'y a pas eu de confinement. On ne peut même pas parler de la riposte au Covid. Si les gens portent des masques, ou comme on les appelle, le cache-nez ou masque, appelez ça comme vous voulez, mais c'est juste par peur de la police. Par peur de la police. Mais il y en a beaucoup qui n'en portent même pas et ils s'en soucient même pas. La promiscuité qu'il y a à la Tchangou, eh bien, ça montre bien qu'il y a un problème par rapport à l'interprétation que nous faisons de ce coronavirus et de ce Covid-19. Une interprétation qui n'est pas, à mon avis, correcte. Et je vais dire pourquoi. Je me suis entretenu avec certains médecins et personnellement, comme psychologue clinicien, j'ai quand même une certaine formation qu'on peut dire paramédicale, parce que bon, on est un peu comme les auxiliaires de la santé. Eh bien,
quels sont les critères pour parler d'une épidémie? Il y a un critère statistique. Lorsque dans un pays comme le nôtre, où il y a 80 millions d'habitants, et que vous avez, hein, au départ, là, quand on a pris ces mesures, il y avait 100 cas. Hein, et puis, ça commençait à augmenter, comme si la riposte consistait à nous annoncer chaque jour une augmentation des cas. Alors qu'une riposte devrait agir de telle sorte que les cas diminuent ou en tout cas stagnent ou en tout cas disparaissent. Je vous prends d'abord au début, mais quels sont les critères pour annoncer une pandémie? Eh bien, il y a un critère statistique, c'est-à-dire le nombre. Oui. Vous estimez que le nombre chez nous... J'estime que le nombre chez nous ne justifie pas qu'on parle d'une épidémie. D'une pandémie, c'est encore plus grave. C'est encore plus vague, oui. Hein? Donc, c'est là la question qui se pose. Et il y a un deuxième élément par rapport au confinement et à toutes les mesures attenantes. Quand on décrète le confinement de la Gombe, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps de confinement? Est-ce qu'on a désinfecté la commune de la Gombe dans sa totalité? Non. Est-ce qu'on a testé les habitants de la commune de la Gombe dans leur totalité pour arriver à un résultat et se dire, tiens, pendant que nous avons confiné la Gombe, nous avons testé les habitants et nous avons, observé autant de cas de personnes qui sont touchées par... En tout cas, ils ne sont pas passés par chez moi. Ah ben, voilà. Alors, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et je prends le problème dans un autre angle. C'est l'angle du bénéfice financier qu'on cherche aussi. Osons le dire. Osons le dire. Comment expliquer que dans une ville comme Amatadi, on décrète un confinement d'un week-end? Et pendant ce confinement, on oblige ceux qui veulent sortir pour ceci ou cela, pour des raisons avérées, eh bien, de payer l'autorisation de circuler à 25 000 francs congolais. Et si par hasard on t'attrape que tu n'as pas cette autorisation, tu payes et l'autorisation et une amende de 25 000 francs. Vous avez appris ça? Nous avons eu cette information de sources officielles. De sources officielles, parce que c'est passé à la radio, c'est passé à la télévision, c'est passé dans les voies officielles, n'est-ce pas? Et moi, je m'étais dit, mais c'est quel confinement, de quel confinement il s'agit, n'est-ce pas? Où chacun fait son petit confinement dans la mesure où ça lui permet de se faire des sous. Hein? Alors là, il y a un problème. Oui, Monsieur l'abbé vient d'arriver, il y a Bonigaba qui va partir. Je vais lui demander de passer derrière Monsieur l'abbé pendant que moi je prends la parole. Si vous traînez trop, je n'aurai plus rien à dire et on vous verra. Voilà. Bam, très bien, voilà, c'est fait. Alors, Maître Magala, vous savez, Monsieur l'abbé, il parle beaucoup. Et il donne effectivement des informations intéressantes. Vous aviez autre chose à dire? Bon, ce qu'il dit déjà dénote d'une certaine... légèreté. Oui, même légèreté, c'est même peu dit. Quand on confine, on ne peut pas laisser ceux qui ont les moyens circuler. C'est-à-dire, ça devient un confinement... sélectif. Sélectif, et ça pose problème. Parce que rien ne dit que ceux qui ont les moyens sont à l'abri de la maladie. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà un problème de survie, leur demander en plus de sortir l'argent pour pouvoir circuler. Mais on a vécu la même chose ici à la Gombe, où les gens qui n'étaient pas admis à entrer à Gombe ont utilisé des moyens tels que les ambulances. Par corruption. Même l'argent. Même l'argent, on a corrompu au niveau des postes d'entrée, aux yeux et aux vues de tout le monde. Ça pose problème quand même, ces niveaux de légèreté. Et il faut qu'il y ait une réaction. Ce n'est pas normal que ce silence que nous avons connu autour de ces cas flagrants demeure. Non, ça c'est le premier problème. Un autre problème, parlant de confinement, justement... Il y a plusieurs cas de confinement qu'on peut citer, comme c'était le confinement complet de la Gombe. Mais
On nous avait aussi parlé de confinements différents au niveau des communes les plus touchées comme Limété, Consort, où on allait confiner les familles touchées. C'est resté au niveau des slogans. Ça n'a jamais eu lieu, faute de moyens, dit-on. Mais quand vous suivez aussi la destination des moyens, ceux qui sont censés gérer, ils disent qu'ils sont à... Ils n'ont reçu qu'un million. Bon. Ceux qui décaissent nous disent qu'on est au-delà de 27 millions. Bon, on se demande, mais les gars, il est passé par où et il a fait quoi? Parce que ce n'est pas normal que ceux qui sont chargés justement de combattre la maladie ne soient pas payés pendant 3 mois. Mais alors, l'argent sorti sert à quoi? Si ceux qui se battent, qui risquent leur vie pour soigner les autres ne sont pas payés, ça pose problème. Et les enquêtes en cours, c'est devenu un slogan, sinon on dit enquête en cours et vous faites des années sans suite. Bon. Oui, là c'est quand même, ça a quand même été dramatique. La communication a fait défaut, il faut l'avouer. Vous avez de l'argent, tel dit, nous n'avons reçu que 1 million, l'autre dit, on a reçu 3 millions, mais la population a besoin d'une comptabilité sérieuse. Là, ça n'a pas été bon et il faut que ça change. N'est-ce pas, monsieur Lebel? Absolument. Tout à l'heure, le maître a parlé de légèreté. Mais moi, j'irai plus loin en disant plutôt qu'il s'agit de la cupidité. Il s'agit de la cupidité. Et la cupidité, c'est un mal qui ronge l'humanité d'hier et d'aujourd'hui. Et ça, par rapport à la gestion de ce coronavirus dans notre pays, il faut avouer que le coronavirus est perçu par la population, les simples gens, hein, est perçu comme étant corona business. C'est de cette manière qu'on en parle à la cité. C'est le corona business. Lorsque on entend les montants qui sont décaissés, et lorsqu'on voit par ailleurs que ceux qui ont droit à, disons, un traitement décent en rapport avec le travail qu'ils font dans la riposte ne sont pas satisfaits, ne sont pas payés pendant, comme on l'a vu, 3 mois, eh bien, il y a un sérieux problème. C'est que la cupidité a atteint un niveau, cupidité et égoïsme. Et égoïsme. Voilà les mots qui rongent notre société. Et le coronavirus ou corona business vient de mettre ça au grand jour. De mettre ça au grand jour. Bon. Alors, il y a un aspect de ce coronavirus dont on ne parle pas dans notre pays. Et qui est pourtant un aspect qui pose problème. C'est le fameux nouvel ordre mondial qui est déshumanisant. Toutes ces mesures au nom de la lutte contre le coronavirus, contre la propagation du coronavirus, toutes ces mesures. Prenons la distanciation sociale, ça veut dire que les gens ne peuvent plus être ensemble. Prenons le port des masques, ça veut dire que les gens ne peuvent plus être eux-mêmes. Donc, ils sont comme les musulmans, là, voilés, en quelque sorte. Et donc, il est arrivé. C'est un habit beaucoup, qui part. Oui. Il est arrivé dans beaucoup de cas où les gens se rencontrent. J'ai vu ça, j'ai vécu ça. Et on ne se reconnaît pas. Tiens, mais c'est qui encore Mais lorsqu'on enlève le masque, ah, mais c'est toi Voilà. La socialisation, la société est en train de se mourir. On ne peut plus se saluer. On ne peut plus rester ensemble pour fêter, ce qui fait partie de la vie. Eh bien, tout cela, c'est bien beau. Mais, quelque part, il y a une exagération qui signifie qu'au-delà de l'aspect sanitaire, l'aspect d'hygiène, des mesures sanitaires, il y a autre chose qui se profile à l'horizon. Et sous d'autres cieux, on réagit. Sous d'autres cieux, on réagit. Et j'ai entendu mes neveux, nièces qui sont aux États-Unis me dire, eh bien là, pour le moment, depuis qu'on a déconfiné, eh bien les gens, ils commencent à retrouver la vie.
n'est-ce pas? Alors qu'on a interdit quand même une certaine proximité, hein, et on a continué à imposer une certaine distanciation, les gens ils s'en foutent. Bon, monsieur l'abbé, excusez-moi que je puisse vous contredire, c'est vrai, on a parlé de Bill Gates, bon, tout ça, c'est vrai, mais, pardon, c'est vrai qu'il faut quand même que les mesures, les barrières puissent continuer à être respectées. Vous critiquez les masques, mais par ailleurs, en France, partout, ça, il va être obligatoire de porter les masques pour nous protéger. Que les gens ne croient pas que nous n'avons pas des masques, nous les avons enlevés pour tout simplement que nous puissions bien nous faire entendre. Là, j'aimerais vous contredire un peu en vous disant les distances, il faut les garder, on ne connaît pas encore tout autour de ce virus, les quelques mesures qu'on nous demande de faire, je crois, Maître Magala, qu'il faut les respecter. Oui, parce que ceux qui ne l'ont pas fait l'ont payé cash. Je prends l'exemple des États-Unis. C'est parmi les pays qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec les mesures de confinement. Liberté oblige. Liberté oblige. Vous savez qu'on en est même arrivé aujourd'hui au concours des jeunes qui se mettent ensemble, ouais, pour avoir le premier qui sera contaminé. Et celui-là qui aura le prix, reçoit une prime. Ils se mettent ensemble pour jouer, fêter, boire, manger, pour avoir le premier contaminé, et celui-là, il est récompensé. Mais aujourd'hui, quand vous comptez le nombre de morts, c'est la catastrophe. Il n'y a pas que ça. Le président américain lui-même, il a été, je m'excuse du mot, léger dans la façon de voir les choses. Donc, moi, je préfère avoir l'autre extrême qu'avoir plus peur et prendre les mesures que de négliger et avoir des conséquences catastrophiques après. Mais maintenant, M. Labbé n'a pas totalement tort, parce qu'on ne maîtrise pas effectivement les origines de la maladie. Parce que quand aujourd'hui on dit c'est la Chine accuse un autre pays, et un autre pays accuse un autre, mais dans le fond des discussions, il y avait un problème de recherche autour des gains économiques. Bon, en sommes-nous seulement victimes ou attendrons-nous de voir la suite pour comprendre ce qui s'est passé? Oui, bon, mais quand même, hein, faisons comme les autres, puisque eux en savent un peu plus. Le président français a dit que désormais ça va être obligatoire. Et quand on observe, par exemple, dans les métros, tout le monde est masqué. Mais ici, chez nous, à la cité, quand vous vous promenez, les gens, disons, excusez-moi du terme, ils s'en foutent. Nous avons le devoir de leur dire de se protéger et de protéger les autres. Monsieur l'abbé, je vais vous inviter à prêcher quand même ça, là, au micro. Je ne suis pas contre qu'on se protège et je ne nie pas la réalité de cette maladie. Je ne nie pas cela. Ce que je dis vous dénoncez, c'est... va au-delà de ce qui apparaît et de ce qui a été mis en avant-plan, mm-hmm, et qui a créé une sorte de psychose généralisée, un traumatisme généralisé, une peur généralisée qui va au-delà de la réalité. Oui. Et ce qui fait que, bon, dans un pays comme le nôtre, dans une ville comme la nôtre à Kinshasa, où on compte 10 millions d'habitants, vous avez 10 000 cas, comme on est en train de progresser vers 10 000 cas. D'accord. Ça fait quel pourcentage? Ça fait quel pourcentage? Et ça, là, ça pose un problème. On doit y réfléchir. Et je crois qu'il y a aussi un déficit d'information et de formation à ce sujet. Il y a beaucoup d'articles qui sont écrits à ce sujet et qui paraissent sous d'autres cieux. Les gens lisent tout cela. Les gens prennent, hein, l'information, hein, qui est nécessaire pour pousser la réflexion plus loin.
ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, vous voulez dire, c'est ce qui est pandémie ailleurs peut ne pas l'être ici parce que le pourcentage n'est pas suffisant. Ce qui est épidémie, je parle. Ce qui est épidémie ailleurs peut ne pas l'être chez nous. Et en tout cas, tout médecin sérieux te dira que nous n'avons pas réuni les conditions, critères pour parler d'une épidémie dans le cas d'espèce. Maintenant, qu'on prenne des mesures pour se protéger, je ne peux pas nier. Je ne peux Maître pas. Magala, vous êtes d'accord? Je ne peux pas dire. C'est vrai, non. Scientifiquement. Oui. Oui, si on prend les statistiques telles que données, bon, il y a matière à réflexion. Mais comme je disais en commençant la mission, les statistiques présentes aujourd'hui sont fonction du niveau des tests effectivement effectués. C'est-à-dire que nous sommes autour de 400-500 tests par jour dans les grands centres. Bon, est-ce que c'est un échantillon représentatif suffisamment pour qu'on parle d'une épidémie? Non. Bon. Non. Reste à voir. Bon. Maintenant, les niveaux des contagions ou des contaminations réelles, on ne l'a pas. On ne l'a pas et là-dessus, la communication ne suit pas parce que les gens appelés à le faire eux-mêmes sont démunis par rapport à ça. Il nous reste 5 minutes, oui. Il y a un autre problème que Maître n'évoque pas par rapport au nombre qu'on nous présente, aux chiffres qu'on nous présente. C'est que, quelque part, et là, j'aimerais vraiment le dire ici, que tout le monde l'entende, eh bien, il y a des cas qui sont des faux cas. Je donne l'exemple d'un confrère, n'est-ce pas, qui, malade, va dans un hôpital de la place et arrive à cet hôpital, on l'examine et on trouve qu'il a la malaria, plus, on lui donne un traitement de malaria, il rentre chez lui, quelques minutes après, il reçoit un appel de l'équipe de la riposte. C'est vous, monsieur l'abbé Intel? Vous êtes malade? Eh bien, quelques temps après, l'équipe descend à sa paroisse, dans la cure où il habite, et commence à lui poser des tas de questions, prend son identité, une fiche d'identité, et s'en va en disant, bon, s'il y a quelque chose, appelez-nous. Le lendemain, ce sont d'autres de l'équipe toujours de la riposte qui l'appellent. Il dit, mais écoutez, j'ai donné toutes les informations à vos amis hier, je ne vois pas ce que vous pouvez encore me demander. Si vous voulez quelque chose, demandez à ceux qui sont passés hier. Et c'est là où je me suis dit, il y a là un problème. D'organisation. Il y a là un problème. Il y a un problème qui fait que aujourd'hui, beaucoup de gens disent, quand tu es malade, tu as la fièvre ou quoi, il vaut mieux ne pas aller à l'hôpital. Parce qu'on va t'assimiler à des cas de coronavirus, même si ce n'est pas le cas. Oui. Donc il y a un problème. Est-ce que quelque part, est-ce qu'il y a honnêteté dans la manière dont on fait ce travail? Est-ce qu'il y a honnêteté? Est-ce qu'on nous dit vrai? Ou bien on cherche autre chose? Et cette autre chose, il faudrait qu'on se pose des questions. Très bien. Malheureusement, l'émission va s'arrêter là. C'est vrai que la communication, quand même, je crois qu'il est temps de faire appel à des experts en communication, et il y en a en République démocratique du Congo, pour essayer de faire en sorte que la vérité puisse parvenir aux téléspectateurs. Et en attendant, nous allons vous conseiller à porter les masques. Maintenant, je peux le porter officiellement pour que vous sachiez que moi aussi, j'ai le masque. Voilà, c'est fait. Portez le masque, lavez-vous les mains, distanciation. Voilà, désormais, on ne pourra plus avoir le nombre d'animateurs qu'il y avait avant à cause de ces mesures de distanciation sociale. Cette émission est terminée. Merci, Maître Magala. Merci, Monsieur l'abbé Pundu. Vous nous avez manqué au début. Enfin, puisque vous êtes appelé à servir un peu partout, on comprend. Cette émission est terminée. La prochaine sera également consacrée à cette même maladie pour que nous puissions vous donner ce que nous pensons que vous devriez retenir comme mesure d'hygiène, tout simplement. Quand on vous demande de vous laver constamment les mains, ben, c'est bon à retenir. Quand on vous demande de ne pas approcher les cadavres,
c'est peut-être des habitudes qu'il va falloir corriger un peu tout en les retenant pour le reste de notre vie. Merci d'avoir suivi ce numéro et à 2 semaines.